On est dans une jolie grotte. J'ai pas osé aller plus loin. Parce que là, je dois plonger. J'irai plus loin quand il y aura moins d'eau, je pense. Je pense que... Attendez, je vais essayer. Non, il y a un bout. Oula. Ouh. Ouais, non, il y a un petit bout à nager sous l'eau. J'ose pas aller plus loin. Du coup, je vais essayer de ressortir de cette grotte. J'espère que je vais ressortir vivant. Oh putain, ça fout des boules. Attention. Il y a des passages. Ouais, là je suis obligé de mettre la bouche sous l'eau. Donc, je vous reparle tout à l'heure. Voilà, on est dans la... Là, on est dans la pièce principale. Je peux me lever, enfin. C'est de l'eau chaude. Source volcanique. Regardez la grotte. Oh là là. Mais je vais quand même me dépêcher de sortir. Regardez là-bas, il y a encore un petit passage. Attention. Ouh. Là, de nouveau, je dois rentrer la bouche. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 18 du Let's Play sur Better Than Wolf saison 2 avec Chaos Technique. Petite nouveauté, j'ai la webcam, donc vous pouvez me voir si tout va bien. Du coup, alors mercredi passé, j'avais streamé un épisode que je n'ai pas posté en tant qu'épisode puisque je n'ai rien fait d'exceptionnel. Et entre temps, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup fait aussi d'AFK parce que il fallait que je sois autonome niveau bouffe. Parce que quand je suis rentré à ma base, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je pensais que j'étais nickel, que j'aurais plus qu'assez de nourriture. Mais en fait, non. Je suis parti explorer une faille en stream. J'ai éclairé et je voulais trouver du fer. J'en ai trouvé quand même pas mal. Mais j'avais plus du tout de bouffe. Je me suis retrouvé sans nourriture. Et j'ai profité pour vraiment m'occuper des poulets. Et du coup, j'ai beaucoup traîné dans ma base. J'ai agrandi l'usine à champignons. Je me suis occupé du cannabis, des citrouilles, des champignons bruns et j'ai reproduit en masse des poulets. Donc je vais quand même vous montrer des images de ce que j'ai fait un peu. J'ai failli mourir parce qu'il y a pas mal de mobs qui spawnent dans mon usine à champignons. Mais ça m'a servi, j'ai pu avoir beaucoup d'ailes de chauve-souris, de steaks de zombies et j'ai pu survivre, j'ai dû faire de la pêche. Et aussi, malheureusement, il y a des slims qui sont rentrés dans mes champs, ils ont tout cassé. Donc ça m'a pris énormément de temps, j'ai dû refaire les champs. Ouais, c'est vraiment dangereux les slims, les marais. J'ai dû renforcer les murs. Bref, je vous montre tout ça tout à l'heure. Mais avant de commencer, quelques images de mes péripéties. Allez, à tout à l'heure. Oh.
C'est parti, mon kiki. Alors, du coup, on va faire un petit tour vite fait. Ici, je me suis emmuré. Et j'ai plus de pelle. Faites gaffe. Je pensais être en sécurité chez moi. Mais en fait, en faisant de longues minutes d'AFK, il y a des mobs. Il y a des mobs qui sont apparus. Je vais vous montrer tout ça. Donc souvent je restais ici et je partais où je faisais d'autres trucs sur l'ordinateur en attendant que mes poulets pondent des œufs. Mais des fois, comme je pensais être en sécurité, j'attendais tout simplement ici au milieu de nulle part, sans protection, bien sûr avec la porte fermée. Et une fois je suis revenu devant l'ordi, j'avais un squeletton devant moi. Et par une chance inouïe, il tirait pas. Je comprends pas. Il a pas dû. C'est vraiment étrange. C'est un bug. Je pense que parfois il y a des petits bugs avec les squelettes, mais j'ai eu une chance de ouf. Il tirait pas des flèches et j'ai pu le dégommer. Je ne suis pas mort. Bon, du coup, ici, regardez. Il y a environ 40. 56 poulets, je crois. Attendez. Ouais, c'est ça. Il y a 56 poulets. Donc c'est plus qu'il n'en faut. Donc on a de la bouffe de manière autonome. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais leur donner des graines, ils vont lâcher les œufs dans le chaudron. Et avec ces œufs, je jette tout plein d'omelettes. Alors j'en ai fait pas mal. Ici, j'ai toute une collection d'œufs. D'ailleurs, maintenant, tous ces œufs, je vais arrêter de mettre des poulets ici. Les œufs, on va les casser plus haut. En attendant, je vais quand même nourrir cette équipe. Comme ça, demain matin, ils vont me lâcher leur cocon. Allez, manger, manger. Oula, ouais, 56, ça fait beaucoup de graines. Va falloir que j'agrandisse aussi ma ferme à citrouilles. Je l'ai agrandie un petit peu. C'est bon, elles ont toutes mangé. Alors ça, là, les œufs, on va les casser. On va les casser ici. Pour l'instant, ça va très bien. Ça va très bien. Je pense que ça m'a pris quand même 5-6 heures de jeu pour avoir tous ces poulets. Hein. Ça se fait pas en 10 minutes, je dirais. Mais je voulais commencer à avancer parce que je vous ai beaucoup montré comment survivre en début avec la pêche, aller chasser des animaux, tout ça. Mais là, maintenant, je me suis dit qu'il était temps d'avancer un petit peu plus. Alors dans cet épisode, on va aller dans le Nether. On va faire un petit tour dans le Nether pour pouvoir mettre de la Netherrack en dessous du chaudron et avoir du feu. Comme ça, je pourrais faire cuire toutes les omelettes sans plus utiliser de bois ou de copeaux, etc., etc. Donc, regardez toutes les omelettes que j'ai. Ah, ça c'est parfait. Je suis vraiment content de plus trop devoir me soucier de la nourriture parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et du coup, regardez tous les champignons bruns que j'ai. Alors, je vais vous montrer aussi, j'ai agrandi un peu la zone et c'est vraiment pratique. On va aller faire un tour maintenant. On va prendre l'épée, tout ça. Hop, la terre, quelques torches. En fait, je trouve super cool d'avoir une usine à champignons où les mobs ils peuvent spawner. Parce qu'en fait, ça m'a permis d'avoir tout plein de steaks et de quoi faire beaucoup de pêche. Bon, par contre, c'est dangereux. Il faut faire attention aux creepers. Mais. Oh putain! Putain, il a sauté! Putain, ça m'était pas arrivé! De tout le. Toutes les fois que je suis venu chercher mes champignons, ça m'était jamais arrivé ça. En fait, c'est quand une araignée tire une toile d'araignée et qu'il y a un creeper pas loin, ça peut l'énerver. Vraiment violent. Allez les araignées, venez là. Oh là 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 là. Ça va, il a pas trop fait de dégâts. Comment on va faire comme ça? Et j'ai plein de chauves-souris qui spawnent ici. C'est presque une usine à chauves-souris, on dira. Regardez-moi ça. Attention, faut rester prudent quand même. Merde!
Faudrait mieux avoir des cisailles. Oh là là, ça commence fort. Oh, je crois pas. Bon, il y a un Enderman là, il faut faire gaffe. Regardez-moi toutes ces chauves-souris. Et je vous jure, à chaque fois que je viens ici après un jour ou deux d'AFK, il y a plein de chauves-souris. C'est de la folie. Je me demande même si je pourrais pas exploiter cette grotte pour plus tard faire une usine automatique à chauves-souris. En plaçant des scies au plafond. Je sais pas encore, faut que je réfléchisse comment je vais faire. Attention. Je déteste ces Enderman. Il faudrait pas que je le tape sans faire exprès. Ça serait la fin de l'aventure. Enfin, la fin de l'aventure, ça serait la mort. Alors, est-ce que j'ai tué toutes les chauves-souris? Il y en a encore. Hop. Tout. Elle est où? Eh! Putain, c'est quoi ce bug? Faire gaffe, des fois il y a des petits glitches. C'est comme si on passait à travers des blocs. Ça, c'est un petit bug qui arrive parfois. Alors, bon, il n'y a pas gros champignons qu'on poussait. Voilà, je crois que j'ai tué toutes les choses. Oui, il y en a un ici. Voilà, parce qu'en fait, moi, j'en laissais... Ici, j'en laissais 6. Un là, un là-bas, un ici, comme ça. Et des fois, je venais, j'en avais quand même 5 ou 6 qui avaient poussé. Donc, le moins que j'en ai eu, c'est sur la pyramide. Donc, la pyramide, je trouve ça super, en fait, inefficace. Je vais profiter de la démolir, vu qu'il y a les creepers qui m'ont aidé. Mais en gros, plutôt que de vous casser le cul à faire une usine à champignons où aucun mob peut spawner, je vous conseillerais presque de faire dans ce style, une simple grotte. Et du coup, de faire tout le tour des petites fenêtres. Et comme ça, vous pouvez tuer les mobs par les petites fenêtres. En faisant très attention aux creepers. Pas oublier que ça peut être dangereux, on a eu la preuve là avec cette explosion. Mais du coup, ça rapporte tellement que pour la pêche, et même, je crois qu'il y a même un zombie qui m'a donné une épée en fer. Bon, elle était à moitié cassée, mais franchement, en début de partie, c'est vraiment cool d'avoir du steak de zombie et elle de chauve-souris facilement. Bon, allez, je vais en replanter un ici et un là. Et ici, on va reboucher. J'entends encore une chauve-souris. On va reboucher comme ça. Et plus tard, je vais optimiser la ferme champignons. Je vais en faire une beaucoup plus performante à l'extérieur. Vous verrez tout ça. Ah, mais il faut que j'enlève les torches. Oh là là, je fais nimp. Si on laisse la lumière, ça... ça ne poussera jamais. Oh. Ah, ces Enderman, je les supporte pas. Toujours là pour nous foutre la pression. Hop. Et on ferme avec des demi-dalles. Voilà. Je vous rappelle qu'avec les demi-dalles, la lumière ne passe pas. Par contre, j'entends toujours une chauve-souris. Ça m'énerve. Ah, elle est là. Tiens, crève. Et regardez les champignons rouges. Ça a quand même vachement bien poussé. Pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de place ici. Mais j'en ai vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà, les champignons rouges, je vous conseille de les poser un peu comme ça, un peu partout, dans vos galeries, dans votre base. Et ne vous inquiétez pas, ça va pousser tranquillement. Il suffit juste d'attendre. Et quand vous aurez besoin d'aller enlever tous les troncs, ça sera pratique. Du coup, je vous ai montré les poulets, je vous ai montré les champignons bruns, que j'en ai beaucoup. Plus tard, on fera une belle usine. En attendant, mon épée en fer arrive au bout. Alors, on va la reposer. Ça, on va poser. Et je vais me faire une épée. Une épée en diamant. Et regardez, j'ai une pioche en diamant qui est presque morte. Et une autre qui est beaucoup usée. Donc en fait, je vais garder ces diamants-ci pour peut-être me refaire une pioche en diamant. Mais pour l'instant, je vais garder celle-ci. J'ai des couilles de creeper. Je prends 2 lingots. Je vais enfin pouvoir me faire ma première épée en diamant. Ça, c'est cool. Ça sera hyper solide. Presque 4 fois plus qu'une épée en fer. Hop. Et voilà, ma belle épée en diamant. Ça, c'est cool.
Alors dehors il fait nuit. Petite déception, ma vache est morte. J'avais creusé là-bas pour que l'herbe vienne. Elle a survécu pendant super longtemps. D'ailleurs, je l'ai trait 2-3 fois. Mais elle est morte. Donc ça, plus tard, je vais refaire. Je vais faire des enclos comme il faut. Et je fermerai même le dessus en verre. Beaucoup de boulot pour plus tard. Mais du coup, là, on va se préparer à aller dans le Nether. Alors, je vais poser un peu tout mon chenil. Ça, je vais me faire des torches avec. Il me faut du bois. Voilà. Hop, hop. On se fait plein de torches. L'arc, je vais le prendre. Je vais le prendre. Est-ce que je me fais aussi une hache en diamant? Ouais, je vais me faire une hache en diamant. Comme ça, il me reste 3 lingots pour faire une pioche. Encore 2 couilles. Et 2 lingots. Voilà. Je préfère me faire plein d'outils en diamant qu'une armure. Une armure, je la ferai en fer plus tard. Pour l'instant, je resterai prudent. Alors ça, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque l'obsidienne. Je vais en prendre 10. Des briquets, je vais en prendre 2. Donc les briquets, c'est avec le flint et des pépites de fer. Prenez toujours 2 briquets parce qu'on sait jamais. Hein. Parce que les briquets, des fois, on peut en utiliser quasiment un entier et il se brise. Avant même qu'il y ait une flamme. Les flèches, je vais prendre... Ouais. Ouais, je vais prendre des bonnes flèches. Parce que les rotodes, elles sont pas très efficaces. Et les ghasts, je peux vous dire qu'ils sont violents. La canne à pêche, je vais la poser. On va prendre des blocs. Il me faudrait de la terre aussi. Bon, j'ai un petit peu de terre sur moi. Je peux me faire des échelles. Échelle. Voilà, 3 échelles, ça c'est bon. Et là, il fait nuit. On va attendre que le jour se lève et on va trouver un emplacement pour faire le portail du Nether. Et comme ça, je vous montrerai dehors les champs et un petit peu qu'est-ce que j'ai fait dehors. En tout cas, pensez toujours à sécuriser les portails du Nether. Je vous expliquerai après pourquoi. Allez, on se retrouve quand il fait jour. À tout de suite. Bon, il fait jour, les enfants. Il fait jour. Et il y a un creeper qui m'attend. Ouais, c'est pas très sécurisé, ma base. Je vais vous expliquer. Regardez. Déjà, là, j'ai mis au plafond ces grilles. Mais les mobs, ils peuvent tomber par la cage du milieu. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Le creeper a dû tomber. À travers ça. Mais c'est pas grave, je sécuriserai en haut derrière. Ouh, d'ailleurs, il y a un creeper là. Enfin, j'ai fini ce mur tout le long et j'ai éclairé un peu là-haut derrière. Pour que ce soit un peu plus en sécurité. Mais on va essayer d'attirer le creeper ici. Il est où? Il est peut-être mort en tombant. Cripouille! Je suis là! Bon, il veut pas venir, tant pis. Il y a mon barrage. Regardez, j'ai dû renforcer les champs. J'en avais marre de ces slimes. Alors, ouais, par le côté là, ils viennent pas. Mais j'ai l'impression que les slimes, ils arrivaient à sortir de l'eau. Et du coup, j'ai agrandi mon champ de citrouilles. Et j'ai écarté un peu les graines. Parce que si je mets les citrouilles côte à côte, ça va un petit peu plus long à pousser. Parce que par exemple, si on regarde ici, cette citrouille. Elle aura le choix de pousser ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements. Ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide. Tandis que si toutes les graines sont alignées contre le mur, ils ont que 3 emplacements. Soit en face et soit sur les côtés. Sauf si des citrouilles ont déjà poussé. Donc ça rapporte mieux de les espacer. Mais ça prend plus d'espace. Et comme moi je voulais gagner un peu de temps pour pouvoir tourner cet épisode, c'est pour ça que je les ai espacés comme ça. Mais de toute façon, le champ, je vais tout les refaire. Ça, c'est des petits champs provisoires pour commencer la partie tranquillou. Plus tard, dans l'océan, je vais faire des beaux champs bien alignés, bien droits, bien grands. Et ici, mon petit champ de cannabis. Oh, malgré qu'il soit petit, j'ai quand même pas mal de cannabis. J'ai dû à chaque fois casser et refaire. Et j'arrive, je crois que j'en ai 40 ou 45.
Et quand on aura 54, on sera prêt à faire le moulin. Et du coup, je pense que ça sera pour le prochain épisode déjà, où je vais pouvoir moudre tout ce chanvre et commencer à préparer le moulin. Ouais, ouais, on va bientôt se faire un moulin. Ah, je suis content. Je suis content. Le moulin, c'est quand même une grande avancée. Parce que là, maintenant que je suis autonome niveau bouffe, le problème, c'est que je consomme beaucoup de bois pour faire que les omelettes. Ça va être corrigé dans cet épisode avec le nether. Et après, la prochaine étape, ça sera le bois. Parce qu'avec les scies, une bûche, ça rapporte que deux planches. Tandis que... non, avec une hache, le bois brut rapporte que deux planches. Tandis qu'avec un moulin, plus tard, on peut faire une scie. Et avec une scie, un bois brut, ça rapporte quatre. Quatre planches. Et je vous jure que c'est vraiment, vraiment cool, ça. Du coup, j'ai aménagé ici. Voilà, j'ai fait un petit... escalier là, petite échelle, parce que j'avais des slimes qui venaient aussi par ici, et tout le tour ici j'ai mis de la terre pour éviter que les slimes puissent passer, glitcher à travers mon champ. Alors le portail du nether, on va monter un petit peu sur la montagne pour voir où c'est que je vais le faire. Je vais creuser un petit peu. Il faut penser à... Oh, dégage toi. Bon, il a pas l'air de vouloir monter. Il faut... Ah bah il est là-bas le creeper. Reste là-bas, t'es bien. Je sais plus exactement, mais les portails du nether infectent les animaux environ 30 blocs de distance. Ça, je vous reconfirmerai la distance exacte plus tard. Je vous conseille de construire le portail vraiment à l'endroit que vous ne passerez pas avec vos animaux. Parce que sinon, ils vont se faire infecter et c'est la mort. Et moi, je me suis dit que le moulin, j'allais le faire par là-bas. On va aller voir. Toutoulou. Parce que là-bas, il y a un bout de désert. Voilà. Alors, il faut que je contrôle que quand il pleut, que sur ce bout de plage, il n'y ait pas de pluie. Et s'il ne pleut pas, je vais faire le moulin là. Et vu qu'il n'y aura pas de pluie, j'aurai jamais besoin de l'arrêter. Et sinon, je le ferai un poil plus loin. Tout là-bas où je regarde, si vraiment il pleut sur cette plage. Comme ça, on aura le moulin là, j'aurai ma petite base ici, en dessous, et le portail du nether, j'ai prévu de le faire là-bas derrière. Je vais prendre un petit peu de terre. Et les portails du nether, il faut toujours, toujours, faites vraiment gaffe à ça, les sécuriser. Parce que ça se peut qu'il y ait des creepers qui spawnent pas loin du portail. Et s'il y a un creeper qui passe le portail, un jour vous... Vous allez rentrer dans le nether et boum, vous allez exploser direct, vous allez crever et vous allez avoir envie de tuer tout le monde. Je vous garantis que ça, ça fait mal. Des fois on construit les portails et on se dit ouais c'est bon, il n'y aura pas de creeper. Eh ben non, il y a un creeper. Alors, plus tard les champs, je vais les faire. Je pense que les champs, je vais les faire ici dans cet océan. Parce que là, c'est une rivière. Le portail, je vais le faire par là, voilà. Ici, ça va aller très bien. On va voir, je pense pas que j'aurai autant de chance que dans la... dans la saison 1. J'avais construit un portail et j'étais directement apparu dans une forteresse. Ça, c'est vraiment un coup de bol. Là, on va voir. De toute manière, pour l'instant, je veux pas de forteresse. Je veux juste de la netherrack. Mais plus tard, on aura besoin de trouver une forteresse. On aura besoin. Quand on voudra avoir les éléments nécessaires pour faire... pour faire un soufflet. Et un crucible. Hop. Voilà. Mon portail est construit. L'arrière, je vais le boucher, hop, et je vais le sécuriser comme ceci. Voilà, je fais une petite cabane en terre autour, c'est pas très beau, je referai plus tard. Et là, on va faire un mur, deux de haut suffisent, et voilà, c'est pour ça que j'avais fait des petites échelles. Là, on se fait les briquets comme ceci. Des torches, on va éclairer un petit peu. Hop,
Je vais poser quelques trucs dans le coffre parce que si je meurs, ça serait dommage que je perde tout ça. Est-ce que j'ai pris assez d'omelettes? Ouais, c'est bon. J'ai 3 stacks de 16. Ça, c'est bon. Hop. Alors. Des couilles, je pose. Tout ça, je pose. Oh, 11 de chance. C'est bien. 9 citrouilles, c'est cool. La pierre, je pose un peu. Des échelles, je garde. L'arc, je garde. Hop. Tiens, j'aurais dû me faire une pelle en diamant, mais il me manquerait un diamant. Je pourrais plus faire de pioche. Bon, la nuit commence à tomber. Allez, je vais vite dans ma petite baraque. Voilà, là je suis en sécurité. Donc, regardez les briquets. Pour ceux qui ne savent pas, ça ne marche pas en un coup, hein. Il faut taper plusieurs fois. Et et là, ça va. Hein. J'ai eu de la chance. En 5 coups, ça s'est allumé. Mais des fois, ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Des fois, vous pouvez quasiment casser un briquet avant même d'avoir allumé un portail. C'est pour ça que j'ai pris 2 briquets. Vous êtes prêts? On va aller dans le Nether. Alors, dans le Nether, les gars, c'est des véritables snipers. C'est pour ça que j'ai un petit stock de terre. Il va falloir que je fasse une petite baraque comme ceci pour sécuriser le portail de l'autre côté. Petit coup d'eau. Petit coup d'eau. Ça peut être dangereux, il peut aussi y avoir de la lave de l'autre côté. Enfin, il faut pas traîner. D'une fois qu'on passe de l'autre côté, il faut très très vite bien regarder les alentours et vite sécuriser. Flower Shield, il a modifié les ghasts pour qu'ils ne puissent pas nous attaquer tout de suite. Tout de suite quand on se téléporte dans les airs. On a, je sais pas, je crois 30 secondes. Allez, c'est parti. Épée en main. Ah, barre de faim avant. Barre de faim remplie. Alors les omelettes, ça rapporte que 1,5 de jambonneau. Hein. C'est pas super efficace. Attention. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ok, ok, c'est une grande salle ouverte. Il faut que je sécurise. Hop, 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 hop. J'ai un petit peu de lag dû au chargement. On se fait un mur. Et voilà, on entend déjà les ghasts. Ils vont pas tarder. J'ai plus de terre. Bon, je suis en pierre. Hop, hop, hop. J'ai beaucoup de pierres, j'ai beaucoup de pierres, j'ai beaucoup miné. Oh là là, c'est bon, il n'y a pas de ghast. Par contre, pas de chance, je suis pas dans une forteresse. Allez, ici, on va se faire un toit. Comme ceci. Et s'il y a des pics zombies pas loin, et qu'un ghast crache une boule de feu, que la boule touche un pic zombie, tous les pics zombies vont s'énerver contre vous. Donc ça, c'est super, super, super dangereux. Et il y a plein de champignons rouges. Ça, c'est aussi cool le Nether pour les champignons rouges. Bon, c'est quasiment safe. J'ai plus qu'une petite partie à boucher. Et j'ai déjà plus cassé de Netherrack. Allez, le reste, on va faire avec la pierre comme ça. Voilà. Je laisse la petite porte ici. On va aller zioter un petit coup quand même. Bonjour. Oh, c'est une immense salle. Nom de Dieu. Voilà, comme c'est grand. Ouh, ça va être beau à explorer ça. Bonjour. Voilà, il y a nos amis. Il y a nos amis. Par contre, il n'y a pas de pic zombie. Ah, il y a du sable d'âme là-bas. Oh putain. C'est vraiment des snipers. C'est vraiment des snipers. À grande distance. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de forteresse. Ah, il y a les piggy qui commencent à spawner. Les piggy, je vais aussi les utiliser pour avoir mes premiers lingots d'or. S'ils ont des épées, on peut faire fondre. Ah, il n'y a pas du sable d'âme très proche.
Allez, je vais profiter de prendre un peu de quartz. On a besoin de quartz pour faire des horloges. Pour avoir des répéteurs. J'aimerais bien avoir du sable d'âme. Non! Il est où? Il est dans la grotte ou quoi? Oh putain, oui, il est là-bas derrière. Ah bah celui-là, on va le tuer. Celui-là, on peut le tuer à l'épée. Il est coincé dans la grotte, le pauvre. C'est assez dangereux, hein. Nickel! Est-ce qu'il m'a donné une larme? Pas de larme, le salaud. Parce qu'avec les larmes de ghast, on peut faire des potions de régène. C'est pratique. Bon, pas de forteresse, mais c'est cool, on est dans une immense cave avec de la lave et on va pouvoir s'amuser plus tard à faire des usines. J'ai plus qu'assez de Netherrack, on va rentrer à la base. J'ai pris assez de risques pour aujourd'hui, j'ai ma dose. Allez, on court un peu. Hop, j'en prends un petit peu ici. Voilà. Du coup, je pense qu'il va faire nuit de l'autre côté. Je referme quand même, voilà. Comme ça, les pics zombies peuvent pas non plus venir ici. Pensez aussi à ça, hein. Ça marche dans les deux sens pour les mobs. Ils peuvent passer les portails tout comme nous. Hop. Il fait nuit. Est-ce que j'arriverai à foncer à ma base? Bonjour. C'est bon, ça a pas trop spawné, on fonce. Ah oui, il y a un zombie là-haut. Hop. Hop, voilà, je suis safe. Allez, un petit coup au champ. Tiens, ça a bien poussé, non, de bleu. Ça a bien poussé. Voilà. On replante. C'est un peu dangereux quand même. Ma base, elle est vraiment pas totalement sécurisée. Mais normalement, aucun mob ne peut venir ici où je suis. À part par l'eau. Donc ça va. Et les araignées. Mais les araignées, elles sont pas trop dangereuses, ça va. Voilà, j'ai le plein de citrouilles. On va avoir notre crucible fonctionnel. On va se cacher au chaud. Est-ce que j'ai une pelle? Voilà. Et on referme. Ah oui, je vous avais dit que ici, en faisant de l'AFK, il y avait eu un squelette qui est apparu. Et que là, c'était fermé. Et j'ai regardé partout. Ici, c'est suffisamment éclairé. Il y a les échelles, il peut pas passer. Là-bas, c'est partout super éclairé. Je comprends pas. Vraiment, je sais pas d'où il aurait pu venir. Et ici, en dessous, tout était fermé. Donc, il a pas pu venir d'ici. Peut-être qu'ici, il manque une torche, mais il y en avait une, je pense. C'est le creeper qui a dû la faire sauter. Et tout là-bas, il ne peut pas apparaître. Il y a des torches partout. Donc ça me fait un petit peu peur. C'est pour ça que si je dois faire de l'AFK maintenant, je m'emmure toujours dans de la terre. Ça coûte rien. Ça prend pas beaucoup de temps. Et au moins, c'est super sécure. Ah oh bah tiens, les poulets, ils ont grandi. Ça, c'est cool. Je pense qu'ils ont pondu. Oh, nickel. Alors, 16 et 16, 32. 32 plus 16, 48. 48 plus 8, 56. C'est juste, il y a 56 poulets. Du coup, ce qu'on va faire avant de s'occuper du crucible. Donc, les omelettes. Regardez, je mange une omelette. Ça me donne 1,5 jambonneau. Et je vous ai parlé de l'importance des champignons bruns en début de partie. Alors, bon, allez, j'en prends 16. Les autres, je ne vais pas tous les utiliser parce que je veux garder pour la future usine. Si on combine des œufs crus avec 3 champignons. Donc, en plus d'être pratique, parce qu'on n'a pas besoin de cuire, regardez, il suffit de mettre 16 omelettes et il faut 3 champignons. 3 champignons. Et ça va dédoubler l'omelette. On obtient 2 rave mushroom omelettes. Donc, ça, on fait x2. Et on n'a pas de temps de cuisson. Et ça rapporte, regardez, hop. Je crois que ça rapporte la même chose, je sais pas. Ouais, ça rapporte aussi 1,5. Mais c'est quand même 2 fois plus efficace. Et on n'a pas besoin de faire cuire.
Mais par contre, là, je vais économiser les champignons bruns pour la future usine. Mais c'est pour ça. La première source de nourriture, ça va être la pêche et les animaux sauvages. Et ensuite, c'est d'être autonome avec les poulets. Et pour rendre les poulets efficaces, il faut avoir une ferme à champignons bruns. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve cool cette survie comme ça. Parce que dans la saison 1, j'étais parti à l'aventure, je sais pas combien de temps, pour trouver du blé. Et d'une fois qu'on a du blé, ben, on n'a plus besoin de champignons bruns, on n'a plus besoin d'omelettes, on n'a besoin de rien. Parce qu'avec le blé, on peut reproduire tous les animaux en masse. Du coup, allez, je range encore un peu mon inventaire. J'ai du quartz, ça c'est cool. Les œufs, on va les casser. Et on va s'attaquer au crucible. Champignons bruns là. Tac, 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 tac. Allez, un complet de poulet. Donc là, regardez. Avec 56 poulets, on a vraiment des œufs. À plus savoir qu'en foutre. Et en plus, ça va nous rapporter des plumes pour faire des flèches. Ça, c'est top. Ça, c'est top. C'est quand même pratique aussi d'avoir un arc. Voilà. Les omelettes, on les pose ici en attendant. On descend vers le crucible. Oh, attention, il y a peut-être du vide en dessous. Il y avait une grotte là-dessous. Ah ouais, je vous ai pas montré ça, je vais vous montrer. Quand j'avais streamé, j'ai éclairé une faille. J'ai éclairé la faille ici derrière. J'ai une pelle. Donc beaucoup de torches, une grosse exploration. Toute cette faille, je l'ai toute explorée. J'ai récolté plein de fer, plein de charbon. Et ici, il y avait cette ouverture. Et je suis content, ça fait une grosse surface bien sécurisée. Et j'avais encore miné en dessous. Dans l'espoir de trouver une grotte, mais je n'ai rien trouvé. Et voilà, ici c'est tout safe. Je crois que j'ai laissé, on voit du charbon tout là-bas. Il y a encore un peu de charbon à prendre. Voilà ce que j'avais fait pendant le stream. Et en faisant ça, j'ai consommé toute ma nourriture. Allez, du coup, au crucible. Au crucible. Donc, il suffit de mettre un netherrack en dessous du crucible. Et d'allumer. Faire gaffe à pas trop avoir de choses en bois autour. Ici, j'ai que de la pierre. Et si vous avez des constructions en bois, ça va cramer. Hein. Oh, du premier coup. Et voilà. Là, on a un crucible fonctionnel. Les poulets ne risquent rien. Et toute la nourriture qu'on mettra là-dedans va cuire. D'ailleurs. Allez, on prend toutes les omelettes. Là. On va tout cuire, c'est la fête. C'est la fête. Hop. Et voilà. La petite flamme augmente. Et à chaque fois qu'elle arrive au sommet, ça veut dire qu'une omelette est cuite. Par contre, comme vous voyez, la flamme est très très lente. C'est parce que j'en ai mis qu'un. Pour avoir le chaudron le plus rapide, il faut avoir 9. Donc de la netherrack tout autour. Hop, hop, hop. On va allumer. Allez. Vous voyez, mon briquet arrive déjà bientôt au bout. Hein. Et ici. Ben voilà, mon briquet est cassé. Et voilà, on a 9 flammes. Je vais recouvrir de pierre. Là. Avec des demi-dalles comme ça. Voilà, comme ça je peux pas me brûler. Je peux vraiment marcher où je veux et je peux pas me brûler. Et regardez, la flamme va beaucoup, beaucoup plus vite. Je pense qu'elle va même 3 fois plus vite. C'est-à-dire que les autres flammes, même qu'il n'y a pas de chaudron au-dessus, ça change rien. C'est le point central qui ira beaucoup plus vite. On peut mettre d'autres chaudrons sur les bords, ils fonctionneront, mais un peu plus doucement. Tandis que là, on a la vitesse maximale. Ah putain, je suis content. Regardez-moi à la vitesse que ça cuit. Et si, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais si j'utilise le chaudron comme ça, c'est parce que le chaudron... Il permet de... Il va prendre les œufs que les poules pondent et directement placer les œufs dans son inventaire. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin à chaque fois d'être là quand les poules pondent pour ramasser les œufs.
Sinon, au bout de 5 minutes, les œufs disparaissent. Donc là, les œufs, ils vont directement dans le chaudron. Et un chaudron, voilà, ça coûte très cher. Il faut, ça coûte 7 lingots de fer, plus un bidon de fer et c'est tout. Ouais, c'est un bidon d'eau avec un os. Mais ça coûte énormément de fer. Mais c'est le premier container automatique qu'on peut faire. Parce que pour faire des hoopers, il faut un moulin pour pouvoir faire une scie et avoir du bois coupé. Et pour un crucible, il faut avoir de la poterie, une table tournante, tout un tralala. Donc là, c'est super cool, on a deux fonctions. On peut tout cuire et ça collecte les œufs. Voilà, pourquoi j'ai fait comme ça. Ah, je suis vraiment content d'avoir progressé. Du coup, combien de temps ça fait que je tourne? 23 minutes. Oula, faut que je vous dise le gift code, le gift code. Pourquoi il reste ouvert ce coffre? Il a bugué. C'est bon. Le gift code, c'est... Notez la lettre V. C'est la lettre V. Notez ce code pour avoir prochainement une version de Minecraft gratuite. Du coup, on a plein de poulets, on a tout ce qu'il faut. Ce que je veux préparer, il fait jour. Il fait jour, ça c'est nickel. On va aller chercher du bois. Le chaudron, il permet de faire cuire la nourriture, mais il permet pas de faire cuire de la pierre ou des minerais. C'est bon, c'est bon. Le gros arbre, là, je vais le laisser. Je le trouve beau. Et vraiment gros. Et celui-là, là-bas aussi, je vais le laisser. Par contre, là, maintenant, on va couper du bois. Je vais faire cuire de la pierre. Parce que la prochaine étape, c'est la fabrication du fameux millstone. J'avais fait un tuto détaillé sur le millstone pour ceux qui n'ont pas vu. Là, c'est la prochaine étape. Et avec le millstone, je vais pouvoir moudre le chanvre. Et du coup, dans le prochain épisode, on va préparer le moulin. Peut-être que je vais faire ça hors caméra, préparer tous les ingrédients pour le moulin. Je pense que je vais faire ça. Ou si j'ai le temps, je vais vous streamer. Je vais streamer quand je prépare les éléments pour le moulin. Il y en a qui aiment bien le stream. Si j'ai le temps, je vous montrerai. Et dans le prochain épisode, on va construire un petit moulin. Ah, celui-ci, c'est un gros arbre. C'est un gros arbre. On va se faire un petit escalier, voilà. Un moulin. On va beaucoup progresser. Et d'une fois que j'aurai le moulin, la prochaine étape, ça va être d'aller explorer le Nether et trouver une forteresse. Et pour trouver une forteresse, comme il n'y en a pas l'air d'avoir à proximité du portail, il va falloir que j'utilise la Soul Sand. Parce qu'avec la Soul Sand, on peut faire de la poudre. Et cette poudre, si on fait clic droit, il y a des particules de poussière qui nous indiquent où est la forteresse la plus proche. Pour autant qu'il y en ait une dans un chunk chargé. Alors là. Il est énorme cet arbre, oh là là. Faut pas oublier les troncs, aucun tronc. Sinon les feuilles ne disparaissent pas. Voilà. Bon, je pense que j'ai plus qu'assez de bois là. Il suffit de faire cuire 9 pierres. Pour le millstone. Et avec la hache en diamant, ce qui est pratique, on peut casser toutes les feuilles, toutes les herbes. Elles ne s'usent pas. Elles ne s'usent absolument pas. Elles s'usent que quand on casse des blocs de bois. Ah oui, j'ai une pelle là. On va détruire ce truc horrible. Tac. Hop. Regardez, quand on prend une pioche en pierre et qu'on coupe du bois comme ça, eh ben, ça use la hache. Et avec le diamant, ça use rien du tout. Donc ça veut dire que les haches en diamant sont vraiment super efficaces. En plus d'être beaucoup plus solides, on va beaucoup moins l'user rapidement. Ça, c'est super cool. Putain, ouais, 20... Oh là là, je crois que l'épisode est déjà assez long.
On n'a jamais assez de temps. Mais on a quand même, mine de rien, on a super bien progressé. Et je vois pas passer le temps, nom de Dieu. Nom de Dieu. Allez, on referme ici. Ma vache qui est morte. Va falloir que je ramène tous les animaux ici. Allez, 9 pierres. Hop. On va cuire tout ça. Alors la pierre, c'est comme pour le fer. Une pierre, un bois de chêne. Donc là, je vais encore mettre 8. Voilà. Et quand tout ça sera cuit, je vais pouvoir faire le millstone. On va préparer les engrenages. Alors il m'en faut des engrenages, il m'en faut 3. Donc c'est un bâton en croix. Tac. Hop. Voilà. On prépare les engrenages. Et on va se faire un levier. Le levier, c'est comme ceci. L'engrenage au milieu et 2 bâtons. Donc c'est de la pierre, de la cobblestone, hein. C'est pas de la pierre cuite. Et voilà, on a le fameux levier, le hand crank. Et on va le mettre ici. On va le mettre ici. En attendant que les pierres cuites. Ah, c'est nickel. Dans le prochain épisode, les pierres seront cuites. On va faire le millstone. Et on va commencer à broyer le chanvre. Du chanvre, j'en ai. J'en ai 49. Plus j'en avais 11 dans le coffre là-bas. Ça fait 60. Ouais, j'ai assez. J'ai assez de quoi faire le moulin. Ok. Bon, ben on va avoir du travail. Hein. On va avoir beaucoup de travail. Ramener des animaux, faire le moulin. Trouver une forteresse. Tuer tous ces poulets. C'est magnifique. Allez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous me direz si vous appréciez la cam. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, qui préfèrent avoir que l'image du jeu. C'est comme vous voulez. Moi, je pense que des fois, je la mettrai, des fois, je la mettrai pas. Ça sera selon l'humeur. Quand je serai beau, je la mettrai. Quand je serai pas beau, je la mettrai pas. Voilà. Allez, on a bien avancé. Gros bec. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.